Et hey, c'est le tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K19 les amis, mode ma ligue avec Los Angeles Lakers. On va continuer notre petit tour du côté de l'Est après cette défaite, du côté de Miami en Floride. On va un peu plus dans le nord du pays, dans l'Iowa. C'est l'Iowa, je crois, non? Ou l'Ohio? L'Ohio, je crois, voilà, l'Ohio, pardon. À Cleveland, la ville de LeBron James. Son ancien club où il est venu deux fois, hein, d'ailleurs, une fois quand il a été drafté et une fois pour aller gagner son titre avec Cleveland. Eh bien, on va les rencontrer cette fois, cette charmante équipe de Cleveland qui, dans la vraie vie, fait une saison catastrophique. On va pas se le cacher, avec un Colin Sexton comme rookie et un Kevin Love un peu seul, hein, comme vétéran homme fort de cette équipe. On va faire bizarre à LeBron James de revenir du côté de la Quicken Loans Arena dans cet état où il a tant donné LeBron James. Je me demande un peu l'accueil qu'ils vont lui réserver à LeBron James du côté de Cleveland. Avec mon côté, un changement dans le 5, Lance Stephenson en arrière, Kuzma en AF et McGee en pivot. Retour pour ailier en ailier pour LeBron James, son poste de prédilection. Voilà, bon et simple présent que Hart et Ingram ne sont pas on fire en ce moment. Ils sont plutôt froids. Donc on va les garder pour le reste. Pour le backup, etc. Allez, Sexton contre Ball, le rookie. LeBron James qui va remonter le ballon du côté des Cavs contre J.R. Smith. On se rappelle de cette image de J.R. Smith et LeBron James du côté de la finale NBA. Oh, voilà, 3 points déjà. J.R. Smith récupère le rebond et ne continue pas. Là, en attaque, il part. C'est trop peu de côté. C'était une tristesse affligeante. LeBron James qui est. T'es bien seul hein, sur cette action, malheureusement. Malheureusement pour Cleveland qui, dès ce premier match, eh bien, a décroché complètement la série. Rodney Woods. Avec un premier lancer franc qui rentre. Et un deuxième qui est également dans le panier. Mais pas dans le dos de LeBron. Malheureusement, Kuz n'est pas aussi bon que LeBron aurait voulu. Un peu seul là. Rodney Wood. Rebond de Kuz. Oh, ok, d'accord. Il n'y a pas eu d'entente entre LeBron et Ball. J.R. Smith contre LeBron James. Kuzma Love. Est-ce que Love va rester du côté de Cleveland hein? C'est une question qu'on peut se poser également. Et ça rentre, et passe devant maintenant Cleveland. Stevenson va chercher Kuz dans la raquette. Un petit mouvement serait sympa là. Oh, perte de balle. Interception. Oh, c'est compliqué pour Wood, mais ça rentre pas. Allez, LeBron James qui monte en attaque. Seul tout. Oh, c'est compliqué pour Kuzma qui est également froid lui, également alors qu'il était chaud. Ah, interception. LeBron James, boum! Badaboum! LeBron James! Bien servi par Lonzo Ball cette fois. Allen Stephenson sur Rodney Wood qui fait un bon premier quart-temps. Rodney Wood et qui enchaîne. Hein, Rodney Wood là.
assets and some youth in the departure of LeBron James, but man, that's a hole they're never going. Tyronn Lue également, le coach de Cleveland, qui a été remercié dans ce début de saison. Allez, Brandon Ingram qui rentre sur le terrain avec Rajon Rondo, Zubac, Hart et Beasley également. Alors, il n'y a pas de défense sur Beasley là, faut y aller. C'est très lazy comme défense. On peut pas dire qu'on a une bonne défense nous aussi, mais bon. C'est pas non plus. Oh, interception! En plus, il me la remet dans les mains. Oh, Ingram! Le spaghetti géant a failli se casser en deux. Larry Nance Jr. qui avait quitté Los Angeles l'année dernière, et bien toujours présent dans l'effectif de Cleveland. Et le premier qui rentre pour Brandon Ingram. Chercher le deuxième. Ça bouge tellement que c'est pas évident. Et ça rentre pour le deuxième lancer franc de Brandon Ingram. À la main, George Hill. Oh, c'était bien vu ça. Et Zubac qui part en contre-attaque. Attention, le dunk de Zubac. Même pas. Même pas de dunk pour Zubac. Et très discret dans ce début de saison. Mais une belle interception tout de même qui donne 6 points d'avance aux Los Angeles Lakers. Love contre Zubac. Qui a bien gêné Zubac, malheureusement. Kevin Love, le talent parle. Alors, on en est en isolation. On va attendre la fin. 24 secondes. Grosse défense! Oh, il y avait une grosse défense! Oh, il y avait une grosse défense sur Brandon Ingram. Ça l'a pas fait peur, Brandon Ingram. Hein. Oh, J.R. Smith! Non, c'est qui? Non, c'est qui? C'est Clarkson, Jordan Clarkson. Ah, ça rentre. Dommage. 15 à 10. Alors qu'on aurait pu éviter qu'il marque ce panier à la fin. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on maintient 5 points d'avance. L'adjustement pour moi, c'est juste having to play, dynamic fives, stretch fives, guarding that position, being in a lot more pick and rolls, being heavily involved on the offensive side and pick and rolls. Alors, on garde le même 5 pour les Los Angeles Lakers, qui a plutôt bien fonctionné, ce 5 de backup. Ah, j'ai cru que c'était Hart. J'ai cru que c'était Brandon Ingram, mais non, c'était Hart. Je me suis fait avoir. T'es moins long que je ne pensais. Attention, deuxième interception pour Zubac, c'est bien. Oh non, c'est Zubac à la passe. Hein. C'est pas du Rondo, c'est pas du Lonzo Ball. C'est pas aussi précis. KCP qui va faire son entrée sur le terrain. Qui est censé être un bon défenseur, KCP. Pour l'instant, c'est Zubac qui défend plutôt bien avec deux interceptions déjà. Avec Clarkston, qui était également à Lakers, hein, Clarkston avant. Fait le taf, il fait le taf, Zubac. Ah! Grand ouvert, raté. Oh! Zubac a fait la contrée cette passe. Ah non, c'est pas possible! C'est pas possible. Beaucoup de pertes de balles, enfin de déchets dans le jeu des Lakers là. Oh là là, trop facile pour le. La lenteur de Zubac est un peu chaude à manier quand même. Oh! Il va revenir. La Rainance. Oh, le contre de Zubac!
Le contre de Zubac. Et Ingram qui va jusqu'au bout. 7 points là pour Brandon Ingram. Ouh là là, Ingram, on l'a mis sur le banc, ça lui a pas plu. Il se réveille, Ingram. Ça lui a pas plu d'être sur le banc, je pense. Ce soir, de démarrer sur le banc, de pas être dans le 5. On voit que Brandon Ingram, là, il commence à pousser un peu. Et ça, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour l'équipe. Là, on est toujours mieux servi que quand on a un bon Ingram, ça c'est cool. James qui change. Ah, Rodney Hood qui se donne, hein. Qui se donne vraiment dans ce jeu des caves là pour l'instant. A joué trop spectaculaire. Eh bien, on paye. Oh là, la faute de KCP sur Tristan Thompson. Oh, c'est parti sur la tête de McGee, qui s'est sûrement endormi, je pense, dans la raquette, c'est pour ça. Eh, c'était une bonne faute, c'était une bonne faute. Allez, ça rentre, là. Eh, voilà, KCP, qui déverrouille enfin son compteur. For Cleveland and around Tristan. Eventually he found his game late in the year though and was impactful in the playoffs. Hood the pass to Sexton. Nance sets a screen for Smith. Fires deep. Oh! J'en reviens pas qu'il me mette 3 points dans les dents. Seemed to take a step back, Brent. His contract is not helping the matter either. There were some distractions, I think we could say, legitimately last year with the things going on off the court. The fact is, Tristan Thompson was once viewed as a really quality big man at the starting position of center or power forward. Voilà, McGee, comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime, McGee. Dur à l'intérieur, moelleux à l'extérieur. Ou plutôt l'inverse, pardon. Dur à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Oh, Sexton qui s'est bien démarqué là. Un petit point, un tout petit point. Un petit iso. Entre en isolation avec James. Voilà. Voilà. Petite interception comme ça là, ça fait. Ah, on aurait pu marquer le panier, mais bon, on n'a pas marqué. Mais au moins, on a cassé l'action. On a intercepté là-bas avec LeBron James. 24 à 21 à la mi-temps. On va voir vite fait ce que le rapport mi-temps va nous donner. Allez, rapport mi-temps, s'il vous plaît. Dépêchez-vous là. Voilà. 60% au shoot, 64 hein, pour eux. 6 rebonds partout, 5 passes ici pour les Lakers, 5 interceptions, 4 pour eux, 1 contre pour Los Angeles Lakers, 7 points, 3 rebonds, 1 passe pour LeBron James. Qui fait un bon match, LeBron James. Il fait un très bon match. Allez, 24 à 21. On va redémarrer ce troisième quart-temps devant. 3 petits points. Et espérons que c'est cette fin de déplacement. Je crois que c'est la fin de déplacement à l'est. Hein. Après, on va rentrer un petit peu dans l'ouest. Ah ! Sur la tête de LeBron James, il a mis la balle. Non, Sexton. Un point d'écart, attention. Ah ! Sortie de balle pour Kuzma. Je lui ai donné sa chance, hein, plus dommage à Kuzma, je l'ai mis dans le 5. Je ne suis pas forcément très satisfait pour l'instant. Et ils peuvent passer devant. Balle pour prendre l'avantage là, pour Cleveland. Attention de pas tomber dans le piège de Cleveland et ça rentre pas. Alan Stephenson qui prend le rebond.
LeBron James, ça rentre à 2 points. 7 points pour LeBron James. Bien ça, bien, je l'ai senti. Voilà, le petit alley-oop pour finir. Je l'ai bien senti avec Ball cette passe. Autant des fois j'en sens pas beaucoup, autant des fois j'arrive bien à les sentir. Ça je l'avais senti, mais franchement c'était un peu chaud. Ah, c'est trop dur. On veut partir trop en showtime, baby. Allez, LeBron James, il avait bien senti également celle-là. Oh, Lonzo Ball. C'est un festival du côté de Cleveland. Brah, les transitions sont super rapides. Il va y avoir un gros score à la fin du match, je vous le dis. Ça va super vite, il y a des transitions super rapides dans ce match. Il n'y a pas de défense, les deux équipes défendent pas. Ça se donne coup pour coup. Ouais, 3 points. Ça bombarde hein, dans ce match. Hein. C'est un match qui va avoir un gros score. Ça va vite. Hein. Deux équipes qui, la défense, connaissent pas trop. On va faire rentrer le 5 qui nous avait fait du bien, mine de rien, tout à l'heure. Yes, le petit N1, on répond à Kevin Love avec le 3 points. Faut que ça rentre par contre le lancer franc. Et ça rentre pas, donc c'est pas une réponse si évidente que ça. Oh le contre! Oh le gros contre! Oh il l'a pris dans la face! Oh, on se rend les contres. Oh, Tristan Thompson qui a fait mal, hein, avec ce gros dunk là. Ah dommage. Non. Kuz au rebond. Il était loin, il était à plus d'un mètre derrière la ligne encore. Osman, je crois qu'il est turc d'ailleurs. Osman, en même temps, c'est vrai qu'un nom comme ça, ça me paraîtrait normal. Mais c'est un des turcs qui est très bon dans cette NBA a priori, enfin il est plutôt pas mal. Non. On laisse sortir. Ça, oh là, faut peut-être calmer le jeu un peu parce que ça va à 100 à l'heure. Peine à respirer. Catch and shoot. Ça rate pour Kuzma qui fait pas le meilleur match de sa vie. Osman, par contre, lui fait un match. Il en fait un bon de match, Osman. Ah, ça rentre pas. Balle pour passer devant. Et ils sont devant. Cleveland est devant. Troisième quart-temps. Attention, les Lakers. On va faire une petite iso comme tout à l'heure. Ça avait plutôt marché. Ouais, c'est LeBron James, on dirait qu'il y avait tout à l'heure. C'était pas Rajon Rondo. Ah, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. C'était tellement bien. Tellement facile. Oh, il m'a rentré le panier, la foirée. Oh, de son terrain, il me rentre le pas. Oh putain, il a pris le ballon, ma main dans sa gueule. Oh là 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 là, il rentre le panier comme ça, le beater buzzer à la fin du, enfin, à la fin du carton.
si Tyronn Lue il fait des matchs comme ça avec son équipe, il serait pas viré. Hein. The Cavaliers leading by three, taking a look at Los Angeles. The 4 and 5 are the athletic duo. Oh là 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 là, oh là là, 6 points d'avance. All out there with Lance Stephenson. Il y a le feu, faut appeler les pompiers là. Here's James. Nance with some nice D. Al Cleveland shooting has been just fantastic. Attends, dominé bien le match, j'ai fait nappe. Getting exactly what they want, when they want it. Faut se concentrer là, faut vraiment rentrer en mode playoff là. Putain, on va prendre 10 points bientôt d'avance, de retard. Oh, sur Osman. Obligé de prendre le match en main avec James ce soir. Là. Et qu'il est plus là, ça se ressent. On a des bonnes actions défensives pourtant, mais ça a jamais bien rendu en fait en attaque derrière. Oh là là, en plus il nous le rentre. En plus Rodney Woods il nous le rentre celui-là. Il n'a plus le temps, les Brown James. Hein. C'est du catch and shoot ce soir-là. Pas le choix. Oh non! Pas de deuxième chance. Ils ont déjà assez comme ça de chance. McGee. Ah, le premier qui rentre. Faut rentrer le deuxième, McGee, par contre, t'as intérêt. Ah, dommage. Deuxième, fallait vraiment qu'il rentre. Non. Oh putain, avec la planche. Chin shoot. Oh, dommage. Well, you make strides to get back in the ball game, but an errant shot like that can definitely cost you any kind of momentum. Have to use better judgment there. The pass to Sexton. Là, d'un coup, je parle moins. Je ferme ma bouche, là. Une perte concluante, ça craint, quoi. Ça craint un peu de perte concluante. Non, mec, il y a 3 points, si j'y reviens pas. Oh, ça rentre. Oh, ça rentre, putain, mec. Mec, il y a 3 points, non, mais lol. Oui, je sais qu'il en rentre, en vrai. Mais lol, pas là, quoi, je pensais pas, je m'y attendais pas. J'étais pas prêt. Third minute of action now gone here in the fourth. It's a pick by Love. Sexton, the pass to Love. Now, here's Sexton. On défend bien. Ça défend du côté des Lakers. Moi je vous le dis. Oh non, oh la perte de balle. C'est quoi cette perte de balle? McGee qui va chercher la faute, putain. Ouais, c'est vrai, sur Kyson Thompson ça vaut le coup peut-être. Break is a second attempt to 23 secondes, wow, ça va être temps d'axe. Comment on se fait avoir dans ce match? C'est un truc de malade. Hein. Deux premiers et deuxième quart-temps, on avait dominé. Mais on s'est fait avoir. Hein. C'est parti en couille à un moment dans le match. C'est parti tellement vite que je ne pouvais plus rien contrôler. Quoi, j'ai... Encore un temps mort? Mais lol. Mais non!
Pourquoi il m'a pris un temps mort? J'ai pas demandé deux temps morts, j'en ai rien à foutre d'avoir deux temps morts. Oh non! Oh non, ballon cavalier, c'est pas possible! Oh! Then go take it, Kevin. And an intentional foul right there. And no good is the. Oh, c'est pas possible de perdre ce match. And you see the speed, the athleticism, and scoring ability of Sexton. Special, a guard with a fantastic skill set and loads of potential. And here's LeBron outside. Here's McGee, nails it. And now they trail by just four. And this is what happens when you fail to block out. Defensive rebounding just as important as causing the miss in the first place. And they stop the clock as soon as they can with the intentional foul. Yeah, you can't let them hold the ball. Il fallait rater, forcément. Il va pas les rater. Ça serait trop beau. It's a 6-point ball game. So important to just stay poised, go through your routine. He did a good job there of just keeping his composure and putting those two away. From deep, James. C'est fini. 7 secondes, 6 points, c'est trop dur là. C'est quasi impossible. Seven seconds left in the fourth quarter. And so they foul intentionally. He drops the first one, and that makes it a 7-point lead. He's off on the free throw, unable to get that second one to drop in. Fires the three. It's. C'est pas maintenant, faut la rentrer, les gars. Wow, Rondo has some big game mentality and comes through in a big way. 47-51. Et c'est la fin de ce match. Oh là là, quelle défaite, quelle triste défaite en plus contre une triste équipe de Cleveland. Oh, on a été meilleur dans la saison, hein. Là ça fait deux matchs, on est vraiment mauvais. Et on va voir les stats extrapolés, ce que ça donne. Ah, qu'est-ce que j'ai été mauvais sur ces deux matchs, Miami et Cleveland là. Je sais pas pourquoi. Bon, on retourne du côté de l'est, de l'ouest, pardon, on va recevoir les Jazz, et puis on retourne d'Orlando également, qu'on va recevoir. Ok. Tac, je regarde vite fait le match que ça donne en stade. Wow, 153 points, c'est un truc de ouf. 45 points de James, 15 rebonds. Et rebonds, ça fait bouffer, hein, par contre. C'est pas photo, hein. Ça fait bouffer au rebond. Kuzma, non, 24 points de McGee, 21 points de Rondo, 21 points d'Ingram. Tout le monde n'a pas été présent dans ce match, c'est dommage. Tout le monde n'a pas donné son maximum. Triste. Sexton, putain, 36 points, 33 points de Love. Ils ont bien joué, ils ont quand même 5 joueurs à plus de 10 points, c'est beau. Hein. C'est beau. Pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'ils en disent sur Twitter, tout ça? 36 points de Sexton au sujet des Cavaliers sont battus les Lakers. Ok. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la défaite. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.